Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être présent à ce 13e Forum Peace and Sport. C'est un bonheur de vous accueillir ici à l'hôtel Fairmont. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je voudrais saluer quelques personnes qui sont dans la salle. Je vais parler en français, parfois en anglais. Il y aura aussi quelques interventions en espagnol. Tout sera traduit. Nos traductrices sont avec nous. Vous avez le français sur le canal 1, si vous le désirez. Vous avez les casques qui sont à l'entrée. Et l'anglais sur le canal 2. Just wanted to wish you a warm welcome here to this 13th Forum of Peace and Sport. Thank you very much for attempting it. You will have headsets in case you need translations from French to English, English to French. And it will be easy with channel 1 for French and 2 for English. Thank you to Muriel and Leslie, our translators, who will be working hard today. I will switch sometimes from one language to another. Bienvenidos a todos. Habíamos también una sesión en español, un poquito más en el día. La traducción en inglés et en francés también. Bon, ça sera pour vous, donc pour vous faire plaisir. Puis vous allez apprendre plein de langues, ça va être sympa. Je voudrais saluer les personnalités qui sont là. Tout d'abord, le président et fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou, qui a accueilli tout le monde hier soir, et qui est donc est à nos côtés ici. Merci d'être là. Un champion du monde, on en a puisqu'on parle de sport. Il avait remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 1994. Rai, merci d'être là. Merci à Madame Brenjac, qui représente Madame Bonal, commissaire générale de l'éducation nationale et de la jeunesse et sport. Merci d'être avec nous. L'un des membres du board de Peace and Sport, Monsieur Michael Gesslinger. Thank you very much for being here with us. Our students who will follow the Peace and Sport meeting. Georges Van Der Schmidt, le secrétaire général de Peace and Sport. Merci d'être là, Georges. Pascal Boniface, le président de l'IRIS, et puis on viendra. Et puis nos invités qu'on verra tout à l'heure, on les nommera, ils viendront intervenir. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc je ne vais pas tarder, parce que je voudrais également saluer les 60 élèves du lycée Albert Ier de Monaco. Merci d'être là, les élèves qui sont dans la salle. I didn't tell you, but we are live today on Monaco Info. We are live also on the website. So feel free to prepare some questions sometimes. You will be able to ask a few of them and to our panelists. Voilà. Sachez que nous sommes en direct sur Monaco Info tout au long de cette journée, comme nous le serons sur les awards ce soir. Merci encore une fois à toutes et à tous d'être avec nous. On va tout de suite passer à la première session de ce forum, sans plus attendre, démontrer l'impact social du sport pour la paix au niveau communautaire. Pourquoi ? Parce que nous avons des personnes qui interviennent voilà, sur le terrain. Et à chaque fois, vous aurez ce petit jingle. Merci, Ferxel. C'est parti. Regardez sur cette première session. You have it in English and the translation is there. Without any moment to spare, I would love to welcome here le chef du développement de la politique sociale for the Commonwealth who was set up last summer in Scotland, Monsieur Lane Robinson. Lane Robinson, pour vous dire quelques mots, pour être le premier à intervenir. Mr. Robinson, you have the floor. Enjoy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, students, the Commonwealth is honored to be invited to speak at this, the 13th edition of the Peace and Sport International Forum. Set against the background of a post-COVID-19 world, coping with the effects of conflict, a world where in some communities, violence is escalating even now, and there is political unrest and uncertainty in many places across the world, I believe this international platform brings people together. Focusing on peace and sport is needed now more than ever before. The proactive response of the sports sector right now is necessary. This meeting is timely and relevant. The theme, Sports as an Answer for Peace, highlights the potential of sport-based approaches to contribute to wide-ranging development outcomes. But to be honest, demonstrating the role of sport
as an important enabler to achieving global agreed goals and demonstrating impact at the community is a challenge. It is also an opportunity for all of us. Living in a small island developing country, Jamaica, that was once gripped by violence and conflict between communities, I was able to experience for myself the impact that sports can have when communities come together. Perhaps the only time that the guns stopped shooting, when there was calm and peace in the communities, were the times when sport was on, were the times when the communities were involved in doing sports. And that simple reality for me meant that sports matters, and that sports for development actually can make a difference. But those same communities, when they went for funding from donors, were not often accepted. Because beyond the anecdotal story of what happened when sport was on and how it brought the community together, there simply was just not enough evidence to warrant the investment. But I knew then, as I know now and believe now, that sport matters, and sport for peace truly matters. It's against that background that certainly for us in the Commonwealth and many others across the world, we believe that if this is to work, if sport is truly to take its role in contributing to peace and development across the world, a broad range of stakeholders need to be mobilized. Sport policy needs to be integrated within global and even local goals and implementation mechanisms. The development of a system that measures the contribution of sport needs to be an essential, critical first step. And national and local governments must recognize the importance of having common indicators, benchmarks, and social assessment tools for measuring how sport can contribute to making society better. This path was set by the United Nations, UNESCO, and member states, and they simply asked the Commonwealth to lead on this. And I think the Commonwealth, working alongside partners and institutions such as Peace and Sport, has done all that they could to try to initiate and take forward the action on this one. So I'm very thankful for the United Nations. Some of the participants are in this room. I'm very thankful for the many governments and partners, many individuals who have helped to bring this agenda forward, truly saying loudly with big voice all over the world to all those sectors not in sport that sport matters. And that says a lot. That partnership, that coming together, that collective that brought the United Nations, member states, the Commonwealth, institutions in this room, individuals in this room together, produced some very interesting findings, some of which I'll elaborate here. Some of the lessons that we have learned, I will share here. For example, working together, we were able to produce a common set of indicators, a set of model indicators, divided into categories which, if employed and utilized well, could begin to tell the story of how sport can transform communities and society. We learned that by working together and defining very clearly and intentionally what one wants to accomplish with sport, and that sport was not just an end in itself, but could be intentionally designed and used to change situations, to change individuals for social impact, we found that this could make a difference. But the question that I'm going to ask, and the question we must ask ourselves, why is demonstrating impact so important at the community level? Why is this so important? Why do we need to do this? Well, perhaps I'll share with you a few of my own thoughts on this. One, community is where people live. Community is where livelihood happens. Community is what shapes a nation. The community is where it begins. Someone once said, there is no power for change greater than a community discovering what it cares about. It is ultimately at the community level
where positive and lasting change needs to be sustained so that children and young people, many of whom are in this room now and the generations to come, will benefit. And so I share with you a few benefits from investing in understanding how society functions using sports as an enabler. If we invest in sports in the way that we have hoped to define in this conference, we will see better collaboration and communication between stakeholders. People will talk together. Those who are working in different fields of sport will realize that their objective is the same. It's common. So it will bring people together if we have common indicators, a common set of coherent indicators. People will talk together, and that's valuable. It will optimize resource allocation. So, of course, we will know now where we need to invest and when and how and why. That's very important. And not anymore the anecdotal stories about how great sport is. It actually is. No, we can prove how well sport is functioning. And then, of course, the idea that having indicators drives the evidence. It drives the creation of even more evidence, because as you get the taste of it, you want more. You want to see how does it make life better. So I say to you again, sport matters. As I move towards conclusion, a few lessons that we have learned. Some questions that we ask ourselves, which I suspect you will ask in this conference. One is, well, what is social impact? What does this word mean? What does this phrase mean? Are we talking about simply improving the lives of individuals? Or connecting people, counting how many people come into this sporting activity? Are we simply talking about that? Or are we talking about transforming people's lives? Checking the number of people who can report an enduring and genuine change in their circumstances. Is that what we're talking about? I think it should be. And what about the types of social impact? Are we talking about simply behavior change or an attitudinal change? Or are we talking about skills and personal effectiveness, the fact that I can become, I can learn new skills and change my abilities? Is that what we're talking about when we talk about social impact? Or are we talking about the quality of one's life and well-being, the fact that I can be a healthier, happier citizen? Is that what we mean when we talk about social impact? These are the challenges that we had to go through in trying to unpack this issue. And so I leave you with an inspiration of a future. The question I say to you, in 10 years from today, 2030 would have gone. We're 10 years down the road. Some of the young people here would have grown up. What kind of world do you realize? Is this a world where we're still saying, oh, what is the impact of sport? Or have we gone even further to demonstrate how sport can change lives, so much so that the person in the community can be using their phone and their app and their watch to gather the data, and that data is translated into a bigger data source that then begins to unpack what this means for life? I envision a world 10 years from now when the senior official working at the local community can pull together his report and go into the private sector, and the private sector will read the report and with confidence invest, because we can prove what we are saying. I envision a world where young people and children and those of us in this room can really harness the potential of what it means to say sport matters. So today I leave you with that. That sports for me mattered then, it matters now, and I hope it will matter for the future. Thank you for your kind attention. Thank you for having me. Merci, Monsieur Robinson. Thank you very much. Thank you. Nous allons avoir notre première table ronde. Et pour mener cette première table ronde, je vous le disais, le sujet, vous le connaissez, si vous nous rejoignez maintenant sur le direct, à démontrer l'impact social du sport pour la paix au niveau communautaire. Les programmes utilisant le sport au service de la paix ont un impact visible sur les communautés, vous le savez, et les territoires. Ils sont là où ils sont implantés. Pour renforcer la confiance des investisseurs publics et privés, leur impact doit faire l'objet d'une évaluation quantitative et qualitative. À travers cette session, un panel d'experts donc, va répondre à ces questions et on va en savoir beaucoup plus. Pour mener justement cette table ronde, je vais inviter un champion de la paix, le premier médaillé olympique du Togo. Il était médaille de bronze en canoë-kayak en 2008 à Pékin. C'est Benjamin Boukpéti.
Et aux côtés de Benjamin, qui va donc être en charge de cette table ronde, je vais inviter la directrice des relations internationales de Paris 2024, Madame Sophie Laurent, qui va nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Ainsi qu'un enseignant-chercheur de l'Université de Paris-Nanterre, Julien Sorez, pour nous donner, bien entendu, beaucoup de témoignages et de chiffres. Et le fondateur de Terre en Mêlée qui agit sur le terrain, Pierre Gony. Voilà, je vous laisse. Il y a un temps imparti, Benjamin. Tu le sais, le temps imparti, je serai là. Je serai aujourd'hui timekeeper. Je suis désolé, mais de temps en temps, il est possible que j'intervienne. Donc, merci à vous et bonne session. À tout de suite. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Ilian Robinson, pour votre introduction très claire et très représentative. Nous allons maintenant avancer avec trois intervenants très différents et néanmoins très complémentaires, à commencer par Sophie Laurent, directrice des relations internationales à Paris 2024. Elle nous parlera justement de comment un comité d'organisation peut soutenir des projets à impact social à travers le monde. Nous irons ensuite sur le terrain avec Pierre Gony, donc fondateur de la coalition Terre en Mêlée, qui utilise le rugby justement pour éduquer au développement et à la paix. Et enfin, nous terminerons avec Julien Sorez, qui est enseignant-chercheur et qui nous pourra vraiment nous éclairer justement sur les travaux universitaires qui sont menés aujourd'hui pour mettre en place des indicateurs. Donc Sophie, bonjour. Bonjour. Donc directrice des relations internationales pour le comité d'organisation Paris 2024. Vous menez vraiment une ambition assez inédite dans l'histoire des Jeux Olympiques pour mettre en place des programmes à hérite d'héritage et d'engagement au niveau international. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quel peut être le rôle d'un comité d'organisation pour soutenir des projets à impact social à travers le monde ? Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être là, ravi de pouvoir répondre à cette question très importante et assez originale, pour être très honnête, pour un comité d'organisation. Alors, à Paris 2024, à l'international, comme sur plein d'autres sujets, on essaye de, et j'utilise la phrase un peu mythique de mon président, de casser les codes, de dépasser les limites. Au niveau national, c'est la première fois qu'un comité d'organisation se dote d'un fonds de dotation de 50 millions d'euros pour financer des projets autour du rôle social du sport dans toutes ses formes. Au niveau international, eh bien, on bénéficie d'une marque très forte, d'une identité, celle de Paris 2024, sur laquelle on peut concrétiser, sur laquelle on peut effectivement travailler sur des coopérations très intéressantes. On bénéficie donc de ces deux atouts, et puis d'un contexte politique très clément autour du sport. Cette volonté de développer et de promouvoir la diplomatie sportive, et de développer et de promouvoir le sport pour le développement. Et donc, fort de ça, on a pu se rapprocher de l'AFD. Et avec l'AFD, nous avons développé deux programmes phares. Le premier, c'est un soutien à un incubateur très particulier d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, qui permet de développer des projets entrepreneuriaux en Afrique, autour de l'économie sociale et solidaire. Le second, ce sont des séries de micro-projets qui permet de financer des petits montants sur justement des projets autour de l'économie solidaire. Avec ce projet-là, on a pu vraiment bénéficier d'une impulsion très importante. Mais notre héritage international, elle ne dépend pas uniquement de l'AFD. On a aussi des coopérations très importantes et on a pu développer un appel à projet, en fait trois appels à projet, autour de sport et coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'avec le ministère des Affaires étrangères, on a pu travailler pour que des collectivités ciblées terres de jeu, puissent bénéficier de fonds pour développer des coopérations à l'étranger. Et donc là, tous ces projets-là, qui ont été des succès, ont le label Impact 2024. Cet impact, ce projet-là, ce label, est notre label d'héritage. Et c'est l'héritage aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ces projets, il faut les évaluer. Alors, il y a différentes façons de le faire, bien entendu. Au niveau quantitatif, c'est assez facile. On peut très vite savoir combien d'enfants ont bénéficié de projets, ou par exemple, si on a un projet sur la natation, de combien d'enfants ont pu nager au niveau de l'aisance. On peut très bien savoir combien de personnes ont bénéficié de
d'une prestation particulière. Par contre, au niveau qualitatif, là, c'est beaucoup plus spécifique et ça s'inscrit dans la durée. Et donc, justement, vous nous dites de s'inscrire dans la durée. Vous êtes un comité d'organisation, vous êtes une organisation qui est vouée à disparaître. Quel est l'intérêt pour vous de vous inscrire dans un écosystème avec d'autres organisations, comme peuvent l'être par exemple Peace & Sport? Justement, c'est là ce qui est absolument crucial pour nous. C'est qu'on a une durée de vie limitée. On initie notre rôle, nous, en tant que comité, c'est deux choses. C'est de lancer une dynamique et que des partenaires puissent s'en approprier pour l'instaurer dans le long terme. Et de deux, pendant le temps de vie de notre communauté, c'est de pouvoir maximiser notre contribution. Donc c'est absolument crucial de pouvoir se dépendre, pas dépendre, de gérer des coopérations avec des partenaires, avec des coalitions qui vont s'inscrire dans la durée. Parce que nous, l'impact à long terme, on ne pourra pas l'évaluer. C'est eux, les coalitions d'impact, et puis des personnalités qui aussi vont travailler sur la mesure de l'impact, qui vont pouvoir apporter du fond concret sur justement quel est l'impact social du sport. L'AFD, et je me permets de revenir vers eux, est en train de développer des indicateurs. Ce sont les mêmes indicateurs que va utiliser Paris 24, et on va travailler sur ces projets, et ces indicateurs vont permettre de promouvoir tous leurs projets autour de sport et développement. Et tous les autres projets, on dépend de vous, on dépend de votre action, et c'est grâce à vous. Nous, on lance une dynamique, et vous perturbez, vous la perdurez. Merci. Mais oui, merci Sophie, justement, merci de me faire la passe à Pierre, fondateur de Terre en Mêlée. Vous utilisez le rugby pour éduquer au développement et à la paix. Aujourd'hui, vous faites ça sur de nombreux territoires, en particulier en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement votre coalition Terre en Mêlée ? Bonjour, merci pour cette passe, c'est un rebond favorable. Avant de parler de Terre en Mêlée, je veux juste revenir un peu sur l'historique de notre association. Moi, un jeune en difficulté, j'avais 13 ans et c'est un éducateur de rugby qui m'a tendu la main et qui m'a permis d'intégrer un club de rugby. Ça a clairement changé ma vie et grâce en fait à cette main tendue, je me suis remobilisé à la fois dans mon parcours scolaire, dans mon parcours de vie. Et c'est ce geste un petit peu fondateur qui m'a guidé, qui m'a poussé à devenir à mon tour éducateur dès l'âge de 16 ans. Et donc j'ai concilié à la fois ma carrière de rugbyman de haut niveau, Stade Toulousain, et mon engagement éducatif en tant qu'éducateur. Voilà. C'était pour moi une vocation et je me suis dit, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour d'autres. Et donc du coup, on s'est engagé. Moi, à l'âge de 25 ans, j'ai créé Terre en Mêlée avec la conviction que le rugby pouvait être à la fois un fabuleux vecteur d'éducation, mais aussi un passeport entre les frontières et permettre à des jeunes de toute culture de se retrouver autour de valeurs communes. Ces valeurs, vous les connaissez, sont celles du rugby, mais on a souhaité aller plus loin et justement jouer sur cette notion de solidarité, de coopération internationale, mais non pas entre acteurs du Nord qui allons aider des acteurs du Sud, mais sur un pied d'égalité. Et j'insiste là-dessus parce que c'est en fait la base, en fait, le fondement même de la coalition Terre en Mêlée. Qu'est-ce que la coalition Terre en Mêlée ? C'est quatre associations, une française, trois africaines, au Burkina Faso, au Togo et à Madagascar, qui sommes exactement au même niveau dans la gouvernance de notre organisation. Pourquoi c'est important ? Parce que ça fait un pied de nez au monde des ONG, où souvent on se retrouve avec la gouvernance qui est centralisée dans une grande ville occidentale et des partenaires au sud. Nous, on a essayé d'analyser ça et essayer d'améliorer un petit peu ce modèle en ayant une gouvernance partagée. Bien nous en a pris, puisqu'aujourd'hui, nous sommes la première coalition d'associations françaises et africaines engagées dans l'éducation et développement pour le sport sur le continent. C'est pour nous à la fois notre ADN, mais c'est aussi notre façon de faire, puisqu'aujourd'hui, notre community manager est à Ouagadougou, notre directeur pédagogique est basé à Lomé, au Togo. Et donc, du coup, on a mutualisé à la fois nos ressources humaines, nos ressources financières, et donc on travaille tous ensemble dans un objectif commun qui est de créer une pédagogie afin de former la communauté éducative africaine pour que demain puissent éclore les futurs champions et championnes du développement durable par le sport. Donc c'est une petite présentation de Terre en Mêlée, et donc on intervient au Togo, pays que tu connais bien. Et oui, et tout à fait. Et merci Pierre pour cette première présentation.
Sophie nous en parlait, c'est peut-être encore plus vrai au sein d'une coalition comme la vôtre. Quels sont les, enfin, on parle de monitoring evaluation, c'est-à-dire de mesurer réellement l'impact de vos actions sur le terrain, que ce soit de manière qualitative ou quantitative. Et donc, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est quels sont les enjeux pour vous, pour une organisation comme Terre en Mêlée, pour une coalition comme la vôtre, quels sont les enjeux du monitoring evaluation? Alors, c'est un enjeu extrêmement important, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il faut à la fois convaincre les bailleurs de l'impact social du sport. Et du coup, seul, on ne peut pas avancer. Donc, c'était pour nous important de nouer des partenariats stratégiques, notamment avec Peace & Sport, dans le cadre du projet Peacemaker Project, mais aussi avec des universitaires, notamment l'Université Paris-Nanterre. Donc, c'est unir nos forces. Et c'est un peu aussi une image, l'image du rugby. Hein, c'est, voilà, on a toutes sortes de gabarits, toutes sortes de profils pour arriver à, voilà, atteindre un objectif et à remporter la victoire. Ben, c'est exactement la même chose sur le monitoring evaluation. C'est en se mettant à plusieurs, en couplant nos forces, en mutualisant nos expertises qu'on va pouvoir arriver à évaluer cet impact. Donc au Togo, nous avons un programme qui s'appelle Alafia. Et donc c'est ce programme-là sur lequel aujourd'hui nous essayons de créer une méthodologie d'évaluation. Ok, bah justement, c'est le sujet. On parle de vouloir mesurer sur le terrain. On voit l'enjeu que ça peut avoir pour vous dans le lien avec vos bailleurs de fonds. Donc là, je vais me tourner vers un universitaire, Julien Sorez, donc enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre, également historien du sport et aussi responsable de la chaire UNESCO qui a été récemment créée avec comme partenaire stratégique Paris 2024 et Peace and Sport. Cette chaire, elle travaille sur la contribution du sport au développement et à la paix. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu justement les travaux que vous menez et justement l'articulation qu'il peut y avoir entre vos travaux et les besoins qu'il peut y avoir sur le terrain et avec les bailleurs? Merci. Oui, donc la chaire UNESCO a été créée il y a environ 6 mois et Peace and Sport est effectivement, avec Paris 2024, des partenaires actifs dans ce projet. Alors l'idée, c'est effectivement d'essayer de travailler et de prendre à bras-le-corps la question de la mesure de l'impact social du sport dans les programmes qui concernent sport pour développement, sport pour la paix. Et c'est un vrai chantier parce qu'en réalité, on est face à une forme de domination d'un mode d'évaluation qui est quantitatif, qui cherche à apporter une mesure statistique de programmes qui parfois ont une richesse qui dépasse la statistique. Et le choix que l'on fait méthodologiquement parlant, en fait, c'est un choix qui politiquement est très fort parce qu'il part du principe que la logique de terrain, aller près des acteurs, recueillir leurs paroles, en fait, avoir une démarche qui est bottom-up, et ce qui permet de restituer les enjeux, de faire parler la diversité des acteurs, de recueillir leurs émotions, leurs expériences, leurs doutes, leurs besoins réels, pour justement avoir cette capacité à s'adapter à ce dont les populations ont vraiment besoin, les bénéficiaires ont vraiment besoin. Et c'est un choix aussi, en fait, qui en découle et qui va être scientifique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces programmes, des acteurs de terrain, les outils qui sont les nôtres. Et les outils qui sont les nôtres, dans la recherche scientifique et académique, ils ont deux propriétés qui me paraissent importantes et complémentaires. La première, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on s'engage. On fait avec, on se rapproche des populations. On a des stagiaires qui, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, vivent avec les acteurs de terrain, vivent avec les bénéficiaires des programmes et du coup sont capables de mesurer et de comprendre ce qui se joue dans ces programmes, dans des contextes très différents et très particuliers. Et donc on a cette, j'ai pas envie de dire cette empathie, mais cette approche de proximité avec les acteurs qui nous permet finalement d'avoir une forme de respect par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à ce dont ils ont besoin. Et en même temps, on est scientifique. Et donc, on a cette capacité à un moment donné à ce qu'on dit, on appelle ça objectiver, c'est-à-dire à mettre à distance le monde social, à mettre aussi de côté les émotions pour essayer d'analyser les choses et de pouvoir justement mesurer des effets d'un point de vue beaucoup plus objectif pour justement nourrir des projets qui vont se tourner vers les bailleurs, qui vont nourrir des plaidoyers. Et donc c'est autour de cette méthodologie-là, à la fois de proximité et en même temps d'objectivation que l'on travaille, alors que l'on travaille au Togo et que l'on travaillera sans doute sur d'autres terrains à l'avenir. Et donc justement, vous développez cette méthodologie, vous avez fait plusieurs allers-retours sur le terrain.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont les premières pistes qu'on peut retenir qui vont vraiment répondre aux besoins à la fois des acteurs terrain, à la fois des bailleurs de fonds? Quelles seraient les premières pistes? Alors, c'est vrai qu'on a, donc en travaillant depuis quelques mois, on a réussi à identifier de premiers aspects qui nous paraissent intéressants. Et pour prendre l'exemple donc, du Togo qu'on a commencé à étudier, on se rend compte que ces programmes de sport pour le développement, de sport pour la paix, opèrent par exemple une transformation très forte d'un point de vue pédagogique, la manière dont on transmet des connaissances, dont on transmet des savoir-faire, dont on transmet des savoir-être. Je prends un exemple très concret, le programme Alafia qui se développe dans les écoles nous montre que à une pédagogie plutôt traditionnelle, faite sur une vision transmissive, autoritaire de l'enseignant, on se retrouve sur des modules là, d'enseignement qui vont être beaucoup plus horizontaux, où l'enfant est participatif, où il est au centre du dispositif pédagogique, où il est écouté dans ses questions, dans ses doutes, dans ses émotions. On le voit aussi à l'échelle des enseignants. Je vais prendre un exemple très simple, puisque nous, on travaille sur le terrain, donc on est en contact avec les acteurs. Du point de vue des enseignants, on discutait donc, sous la forme d'un entretien. La manière dont on travaille, c'est de longs entretiens. Ce n'est pas 5 minutes, on pose 3 questions et puis on s'en va. Ça dure 1 heure, ça dure 1 heure et demie. On multiplie les points de vue, on répète les entretiens pour avoir confirmation des pistes que l'on a. On fait des observations aussi. Et il y a 3 semaines, j'étais à Lomé, donc on fait un entretien avec un enseignant. Il dit, écoutez, moi, ce programme m'a transformé en tant qu'enseignant parce que nous, dans le pays dans lequel on enseigne, de temps en temps, quand un élève est passage, qu'il n'écoute pas ou qu'il ne réussit pas, on le brime, on peut le punir, on peut même le taper. Et en fait, avec ce programme, j'ai arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas enseigner le respect, je ne peux pas enseigner le vivre ensemble si je tape mes élèves. Donc en fait, on se rend compte que ce programme, il est vertueux parce qu'il oblige les adultes qui sont en responsabilité de ce programme d'incorporer, d'incarner les valeurs qu'ils promeuvent. Et donc, on était plutôt satisfaits. Et puis, il a continué à dérouler. Il dit, mais vous savez, ce n'est pas uniquement l'enseignant qui a changé, c'est l'homme aussi. Il fait, parce que comme je ne tape plus mes élèves, quand je rentre chez moi, je ne tape plus mes enfants. Et donc, on voit comment est-ce que ce programme, en réalité, a une portée, un périmètre d'action et des effets qui, à mon avis, que l'on ne peut appréhender que si l'on fait ce travail qualitatif de terrain sur la durée. Et tous les tableurs Excel qu'on pourra remplir pour faire plaisir à des bailleurs et à des donateurs ne pourront pas restituer ces éléments-là qui me paraissent fondamentaux. Deuxième piste, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais je ne vais pas toutes les énumérer, c'est la question de l'égalité des genres, puisque notamment la coalition Terre en Mêlée a fait de l'égalité des genres un élément extrêmement important. Alors, je ne vais pas beaucoup insister, mais juste peut-être citer, puisque je vous ai dit qu'on faisait des travaux de terrain, et donc je vais donner la parole aux acteurs et citer quelques extraits d'entretiens qu'on a fait avec des jeunes femmes qui ont été des bénéficiaires du programme et qui maintenant sont des animatrices du programme. Donc, je cite un témoignage d'une première jeune fille. Le rugby m'a permis de communiquer beaucoup plus facilement, car je suis une fille, et comme la plupart des filles au Togo, je pense, et de par notre éducation sûrement, être quelqu'un de très fermé et timide. Le rugby m'a fait du bien. Pas que sur le plan physique, mais surtout relationnel, car maintenant, je sais comment communiquer avec les autres et me faire respecter sans être trop intimidée et honteuse de parler. Deuxième témoignage. Tout ça m'a donné envie de jouer et je me suis surpassée. Je n'étais plus dans ma peau ancienne. Maintenant, je suis nouvelle. La honte a disparu, la timidité aussi. Dernier témoignage, je suis désolé Benjamin si je suis un peu long, mais je pense que les acteurs de terrain ont une place auprès de nous aujourd'hui. Le rugby d'ici a permis à beaucoup de femmes de se sentir confiantes, d'être libres et de se sentir émancipées. Avant ici, quand tu étais une fille, tu ne pouvais pas aller à un endroit si les garçons s'y regroupaient. Il y a beaucoup de préjugés ici. Et j'ai déjà vu ça quand j'aidais le coach à entraîner. Les filles étaient sur le terrain, mais quand les garçons venaient, elles se dispersaient sur le terrain pour leur laisser la place. Nous, on leur disait « Non, venez, on veut jouer ensemble, donc on va jouer ensemble. » Elles croyaient qu'elles ne pourraient pas y arriver, mais on les a fait jouer ensemble. Elles ont envie que les séances reprennent vite après. Tu vois que ça fait du bien aux filles, quoi. Avant, on disait que si tu étais amie avec un garçon, automatiquement, il allait te faire la cour. Mais ça montre qu'ici, non, il n'y a pas de ça dans le rugby. Et donc, pour terminer, pour conclure, on voit bien que le sport, quand il est enseigné, transmis avec des vertus éducatives, à mon avis, initie
ce que j'ai personnellement appelé une mixité agonistique. C'est-à-dire qu'on est obligé sur le terrain d'échanger, de partager une expérience entre filles et garçons, beaucoup plus que dans une salle de classe où chacun peut rester assis sur sa chaise sans partager de valeurs, sans partager de compétences techniques. Donc il y a une vraie mixité agonistique qui est celle de l'affrontement, mais de l'affrontement réglé, normalisé. Et puis, ces programmes permettent aux jeunes femmes, et, enfin aux jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes, de s'autonomiser, puisqu'en réalité, le programme, les associations qui œuvrent pour ces programmes offrent un espace social où se joue l'émancipation et l'autonomisation des jeunes filles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une fonction dans une organisation. Elles transmettent et reçoivent des savoir-faire, des savoir-être, et surtout, ce temps et cet espace qui est le leur, leur permet de s'affranchir d'obligations familiales où se jouent et se reproduisent les inégalités de genre. Merci beaucoup, Julien. Non, vraiment complet. Très intéressant de se rendre compte que finalement, dans le monitoring evaluation, donc d'évaluer l'impact sur le terrain, il y a un vrai sujet de finalement aller chercher la qualité et de multiplier finalement ces témoignages qualitatifs qui retransmettent bien ce qui se passe sur le terrain. Donc merci beaucoup pour cette session. Ça va être le moment pour nous de nous tourner rapidement vers le public pour des questions, sachant qu'on va se tourner. Le forum, la session est aussi en digital, donc on a privilégié les questions qui sont venues, qui ont été posées pendant toute la session sur la plateforme. Et donc c'est des étudiants de notre partenaire de l'université qui ont sélectionné deux questions normalement. Alors je ne sais plus de quel côté. Voilà. Elles sont là, les jeunes filles. On va prendre la première question en nous précisant à qui s'adresse cette première question, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Ça marche. Donc la première question sera pour Sophie Laurent. Quel doit être, selon vous, l'héritage international pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Je réponds tout de suite. Oui, bien sûr. D'accord, excuse-moi. Question très intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, un comité d'organisation des Jeux Olympiques ne peut pas, dans le système où on se trouve aujourd'hui, que livrer des Jeux Olympiques. Il porte en lui une responsabilité sociétale. Il porte en lui le besoin impétueux de redonner la place du sport dans la société et dans le monde. Et de facto, il porte en lui nécessairement tout ce que la société aujourd'hui est en train d'avoir comme défi. Défi climatique, défi autour de la paix, la promotion de la paix, défi de changement, défi de mesurer des impacts. Il est crucial que les Jeux, et aussi bien n'importe quel événement international, portent aussi, soient facteurs de changement. Donc pour Paris 24, avoir de l'héritage national est une obligation. Mais ne avoir qu'un héritage international, ce n'est pas possible. Pour l'ambition des Jeux, il faut porter cet héritage à l'international. Et nous, notre stratégie, c'était de se dire, partons de l'héritage national, des thématiques fortes, qui était autour du rôle social du sport, notamment, et dont le tir à l'international. Et c'est pour ça qu'on a développé ces fameuses coopérations avec l'AFD, avec les ministères. C'est pour ça qu'on a toute une réflexion auprès des actions, auprès des ambassades, qu'on a développé un label qui s'appelle Terre de Jeu 2024. Et c'est pour ça qu'on porte très fort, et notre président Tony Estanguet est le premier en fer de lance, il est crucial que cette dynamique qui a été lancée pendant ces dernières années, qui va s'arrêter, notre action va s'arrêter en 2024, mais que cette dynamique, elle perdure, notamment grâce aux coalitions et grâce aux partenaires. Merci beaucoup, Sophie. Merci. La deuxième question, ce serait plus sur les conditions pour mettre en place un monitoring et évaluation de qualité sur le terrain. Mais quelles seraient ces conditions ? À qui s'adresse la question ? À M. Sorez et à Pierre Gogny. La première chose, c'est il faut faire reconnaître les métiers de l'éducation au développement par le sport. Il est important aujourd'hui d'identifier ces métiers parce qu'on a tendance à voir les métiers d'éducateur, de formateur, de coordinateur, de gestion de projet. Mais en fait, il y a tout un panel de métiers
qui sont invisibles, mais qui contribuent en fait à la consolidation de nos actions éducatives sur le terrain. On appelle ça les fonctions support, donc de gestionnaire financier, administratif, la communication. Donc toutes ces fonctions support-là, aujourd'hui, elles sont nécessaires en fait pour consolider notre travail éducatif sur les terrains et accompagner nos équipes éducatives à pouvoir se mettre au niveau et répondre aux attentes des bailleurs internationaux. Sauf que les bailleurs internationaux veulent de l'impact et veulent financer de l'action de terrain. Et donc aujourd'hui, on a cette difficulté de convaincre en fait les bailleurs à prendre en charge ces frais de fonctionnement et ces fonctions support. Donc aujourd'hui, moi, je lance un appel un petit peu aux bailleurs, c'est de, voilà, d'essayer de nous tendre la main parce qu'il faut absolument qu'on trouve un nouveau mode de financement qui permette de consolider nos actions éducatives avec la prise en charge de ces frais de fonctionnement et de ces fonctions de support et la reconnaissance aussi de tous ces métiers qui gravitent autour de notre corps de métier qui est l'éducation et la formation. Donc ça, c'est des conditions sine qua non pour qu'on puisse qu'il y ait des actions de terrain de qualité et qu'on puisse ensuite faire la passe aux universitaires, aux professionnels qui vont venir en évaluer l'impact. Pour enchaîner, du coup, c'est une réponse à deux voix. Oui, alors l'enjeu, il est important. Je pense que Pierre a prononcé le terme de formation, et je pense que la formation, ça se joue. Enfin, c'est là que ça se joue. Souvent, dans le monitoring evaluation, on a tendance à vouloir former les acteurs locaux au monitoring evaluation. Bon, en soi, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'on est jugé parti. C'est-à-dire qu'on produit ses propres données que l'on transmet pour ensuite aller vers le bailleur. Je pense que justement, l'université, la recherche universitaire est un intermédiaire qui me paraît vertueux. Alors, Nanterre n'est pas la seule université au monde à travailler sur ces sujets-là, mais ce qui nous paraît important, c'est les partenariats internationaux. Et notamment, on met en place un partenariat avec l'université de Lomé. L'idée, c'est que sur chaque terrain où on intervient, ben, on travaille avec les collègues qui sont au fait des problématiques locales, qui ont leur propre regard, qui ont aussi leurs propres besoins. Et on a, par exemple, dans le cadre de la chaire, la volonté de mettre des stagiaires de l'université de Lomé pour qu'ils puissent aussi participer à cette évaluation. Avec cette idée qu'on n'est pas là pour imposer un modèle, on est là pour encourager une dynamique et pour proposer des solutions ensemble. En fait, c'est un projet que l'on construit ensemble, sans hiérarchie, sans préjugés. Et je crois que l'université, en tant qu'institution, a un rôle à jouer d'intermédiaire, d'autant que, et c'est la position que je défends, elle se situe un petit peu dans l'écosystème du sport pour le développement et du sport pour la paix, à un niveau intermédiaire, puisqu'elle est, à mon avis, le maillon qui manque aujourd'hui entre les acteurs locaux de terrain engagés sur des problématiques parfois vitales et les organisations internationales et les bailleurs qui ont une vision macro. Eh bien, nous, on se propose d'être à la fois sur la recherche et sur la formation, ce maillon intermédiaire qui permet de joindre ces acteurs qui, parfois, n'arrivent pas à se comprendre et à échanger. Eh bien, merci beaucoup Julien, merci Pierre, merci beaucoup Sophie, merci pour chacune de vos interventions. Benjamin, on a encore un petit peu de temps, peut-être on va ouvrir des questions à la salle, ça ne vous dérange pas. Hein. Donc, voilà, si quelqu'un a envie de poser des questions, on a des micros, vous levez la main. Si vous avez une question qui vous taraude, on a une personne là-bas, donc si on peut amener le micro au fond, tout au fond de la salle. Voilà, monsieur, nommez-vous s'il vous plaît. Et posez votre question. Au fond, encore, voilà. Merci. Hi, good morning. I'm Leonardo from Brazil. Oops. Sorry for English. I don't speak French very well. So, I'd like to have more information, if possible, about how to evaluate the impact of this of the program, especially regarding the speech of Pierre and Julien. Do you have any standard indicators or something? Because for us, where I work, it's been such a challenge to find a way to prove with data that it's been working. Although everybody knows that sport transformed the life of people, we are always trying to collect data and indicate and show to the population, actually, to the general public, that it works and it has been working very well. Thank you. Obrigado. Merci. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver des formes de justement de d'informations pour justement qu'on puisse les adapter. Alors, il y a un certain nombre de plateformes et de formations. Je pense notamment à l'action de la GIZ, qui est présente dans de nombreux pays africains et qui propose des modules de formation, mais qui me semble aujourd'hui plutôt à destination des coachs, des gens de terrain et qui quand même sont fortement liés
aux recommandations liées aux prescripteurs et aux bailleurs. Ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, c'est de mettre en place des formations en mobilisant le monde académique, le monde universitaire, qui propose une autre manière de regarder le monde social, qui propose une autre manière de considérer les actions de terrain, et justement, où... parce que c'est quelque chose qui est quand même très lié aux données quantitatives. Et je pense qu'il faut occuper le terrain, il faut rester, il faut écouter les gens, observer, parler. Et ça, c'est vrai que c'est un travail que les sciences sociales, et ici les sciences sociales du sport, peuvent faire en déployant des étudiants, en déployant des programmes de recherche et des partenariats entre universités. Et donc, je pense que, je ne sais pas de quelle commune ou de quel état êtes-vous, mais je pense qu'il faut se rapprocher du monde universitaire et inciter les chercheurs en sciences sociales à travailler avec vous pour utiliser les outils qu'ils ont, parce que quand on est chercheur en sciences sociales, on a un certain nombre d'outils forcément par rapport à la qualité d'enseignant-chercheur, et il faut juste être capable de comprendre les besoins et de les adapter aux contextes locaux. Voilà. Pierre, vos travaux, ils sont visibles sur la toile, quelque part, sur un site. Justement, peut-être que ça peut aussi donner quelques enseignements. Oui, tout à fait. Donc, sur notre site internet Terrain Mêlé, je crois que vous avez sorti aussi un document, je ne sais pas s'il peut être rendu public, mais... On va demander à Peace and Sport, Peace and Sport, si tu connais. Voilà, donc on communiquera là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. On a encore le temps pour une dernière question. Oui, juste devant, ici, merci. Oui, bonjour. Ma question est pour Madame Laurent. Vous avez tout à l'heure mentionné que vous alliez accompagner certains projets. Comment vous allez les sélectionner ? Ok, parfait. Je me suis rendu compte que lors de mes propos enflammés, j'ai oublié quelque chose de crucial, c'est quand même vous donner des exemples concrets. Et ça peut être utile pour répondre à votre question. Toujours important. Toujours important. Donc, si je reprends un tout petit peu mon propos, avec l'AFD, nous avons deux types de programmes. Le premier, c'est un qui s'appelle donc l'incubateur des athlètes, qui sont des jeunes, ou des moins jeunes, entrepreneuriaux, qui ont des projets d'économie sociale et solidaire, essentiellement en Afrique. Il y a deux appels à projets, il y a deux promotions qui ont déjà été faites, qui se sont terminées récemment. La séance de clôture a eu lieu il y a à peine 10 jours. Et la troisième, probablement, devra se faire pour l'année prochaine. Là, on a travaillé avec l'AFD, justement, sur des indicateurs. Et donc, c'est un incubateur professionnel qui répond. Et donc, les sélections, on a un groupe de personnes qui sélectionnent. Ce n'est pas uniquement Paris 24. On se détache de ça pour éviter, justement, tout soupçon de copinage ou autre chose. Enfin, c'est quelque chose d'un comité de transparence. Et on étudie avec des grilles très spécifiques les différents projets. Le deuxième type de projet, c'est ce micro-projet justement qu'on fait avec l'AFD, où ça permet de donner des sommes relativement petites, modestes, par rapport au financement que l'AFD fait normalement sur des infrastructures. Et là, on a sélectionné une trentaine. Même chose, même principe. Vous connaissez le sérieux de la banque, quand même, de l'AFD, Banque de développement française. Eh bien, on applique les mêmes grilles. Donc, ces dossiers sont vraiment sélectionnés, scrutés, vérifiés. Un beau projet, par exemple, que je peux citer aujourd'hui, c'est une ONG sénégalaise qui accompagne en fait les jeunes sportifs dans le foot. Et cette ONG s'appelle Bourse Talent Football Féminin. Et elles accompagnent ces jeunes sportives, à avoir une carrière professionnelle. Et tout simplement, à travers ce projet-là, eh bien, le sport féminin retrouve un peu de dorure dans la société sénégalaise. Et le troisième projet, qui est non pas lié à l'AFD, mais lié au sport et coopération décentralisée, c'est un magnifique projet organisé par la région PACA avec les villes d'Oran et d'Alger autour de l'aisance aquatique. Et ça a été un partenariat que nous avons fait avec les Jeux Oran 2022 et Paris 24 autour de cette aisance. Et donc la même chose, c'est le sérieux du ministère des Affaires étrangères qui permet... Alors nous faisons partie du comité de sélection, mais encore une fois, on s'inscrit dans des grilles très spécifiques et ça permet d'apporter toute la respectabilité, l'honorabilité et la transparence à la sélection de ces projets. Merci. C'est très concret. Merci beaucoup. Je vais vous demander de les applaudir très très fort. Merci pour leur témoignage. On va faire Lane.
Lane, if you can join us, we make a picture. On va faire une photo souvenir avec tous nos intervenants ici pour ces premières tables rondes. Venez à leur côté. Voilà, on les applaudit encore une fois très très fort. Merci pour cette première intervention très intéressante. Effectivement, on a appris pas mal de choses et puis surtout, ça lance bien la suite. Merci à Julien parce qu'il a donné des exemples de jeunes filles tout à l'heure qui vont me servir pour la deuxième table ronde. Voilà. C'est parfait, c'est excellent. Merci beaucoup, merci à vous.